Pâques heureuses pour les populations de la tribu Kanango dans le département de Sakassou. Cette tribu, composée de 8 villages, a vu 6 de ces villages bénéficier de l'électrification rurale. Ce rêve, caressé depuis des décennies, s'est réalisé grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Ces villages ont été connectés au réseau électrique national à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région de Gbeke. Les populations, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude au président Alassane Ouattara. Pour elles, l'électrification de leur village va contribuer à lutter contre la pauvreté et l'exode rural. La représentante du ministre du Pétrole et de l'Énergie a réaffirmé la volonté du gouvernement à participer au bien-être économique et social des populations. C'est l'une des promesses du chef de l'État qui vient de se réaliser. C'est-à-dire donner l'électricité à toute la population ivoirienne. Pâques 2014, sous la lumière, les populations de Kanango saluent l'œuvre du président de la République. Il fut un temps, nous étions dans l'obscurité. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu de la lumière. Et la preuve en est, nous buvons de la bière bien glacée. Et vraiment, nous sommes très très contents. Nous disons vraiment énormément merci et que Dieu fasse qu'il puisse avoir encore un second mandat pour vraiment continuer l'œuvre qu'il a si bien commencée. Avant, on était dans le noir, on ne voyait pas les jeunes. Mais maintenant, ça se passe bien, on voit les visages, on voit qui est beau, qui n'est pas beau. Depuis 2013, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'électrifier les villages ayant au moins 500 habitants. 9 villages du département de Sakassou ont donc bénéficié de l'électrification rurale dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU.